Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau logiciel de support client que j'utilise. Alors, je vais vous faire une démonstration très très simple parce que je suis loin d'utiliser toutes ces fonctionnalités, mais c'est un gain de temps incroyable. Donc, si vous avez un gros flux entrant d'emails, si vous avez l'impression d'y passer beaucoup de temps, ou si vous êtes plusieurs à traiter les emails, si par exemple vous avez des collaborateurs qui s'en occupent et que vous voulez intervenir seulement sur les cas compliqués, cette solution est vraiment fantastique. Alors, je vais vous la présenter tout de suite. On va aller alors sur Internet. Alors, je vais repasser ici en petit. Je vais pouvoir changer d'écran. Ce que j'utilise, ça s'appelle Front App. Voilà, Front. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé le App. Bon, voilà, ça s'appelle Front. C'est un logiciel qui est payant, mais qui est vraiment un logiciel très, très haut de gamme de support client. Alors, à quoi ça ressemble? Ben, une fois que vous avez Front, vous avez une petite application que vous installez sur votre ordinateur et que vous pouvez également avoir sur une tablette, sur un smartphone, et tous vos collaborateurs ont également cette application. Et donc, ce qui est cool sur FrontApp, c'est que ça permet plusieurs choses. De un, alors je vais passer ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est une boîte, genre boîte de messagerie classique. Donc, on voit ici sur la gauche les emails que j'ai reçus. Là, l'email en question, voilà, c'est une demande d'interview que m'a fait Kiri, et on doit enregistrer ça vendredi 22. Ce qui est déjà cool, vous pouvez le voir ici sur le côté, c'est que FrontApp permet de réceptionner plusieurs flux d'emails. Donc moi, j'ai plusieurs flux d'emails, je vous explique ça tout de suite. J'ai Traffic Manager, oula, qu'est-ce que c'est que ce gros crayon là que j'ai? Et cette couleur, cette espèce de truc là, on va changer, on va mettre un petit bleu. Voilà, hop, j'efface. Et donc, j'ai plusieurs flux d'emails. J'ai le flux de Traffic Mania, avec l'adresse andre@trafficmania.com, où bah, j'ai plein de gens qui me posent des questions par rapport à leur blog. Hein. J'ai également mon blog sur le tir sportif, voilà, je vais l'appeler TS. J'ai ma chaîne de judo jiu-jitsu qui s'appelle Dojo en ligne. Et j'ai également bah, tout ce qui est le site internet en gros de ma société qui va supporter tous ces blogs. Okay? Donc toutes les factures de vente, etc., ça passe par ça. Donc c'est Progression Prod, c'est le nom de mon entreprise. Okay? C'est le nom de mon entreprise. Et donc je reçois des mails régulièrement sur chacun de ces trucs. Et bah, là, tout est centralisé, tout arrive sur FrontApp. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est le premier truc. C'est cette fonction de centralisation. Donc ça, c'est déjà un truc qui est sympa, c'est que on a tous les emails de toutes les différentes boîtes qui arrivent au même endroit. Alors vous me direz, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec Gmail si vous utilisez Gmail ou d'autres services de messagerie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ils vont arriver en centralisation, les mails, mais ils vont pas arriver chez moi. Ils vont arriver chez Émilie, qui est ma collaboratrice. Donc les mails, ils vont arriver chez Émilie, non pas sur mon FrontApp à moi, mais sur son FrontApp à elle. C'est elle qui est vraiment là pour répondre à la majorité des emails. Et donc, ce qui est cool, c'est que bah, Emily, elle peut traiter 70 à 80% des emails. 70 à 80% des emails, parce que la plupart des demandes, c'est des choses comme j'ai perdu mon code d'accès, j'aurais besoin d'une facture, est-ce que André serait d'accord pour faire une interview, etc., etc. Et donc, 70 à 80% des emails qui sont traités de cette manière. Et puis, ce qu'il y a de génial avec FrontApp, c'est que les emails où ça demande du support un peu particulier, elle peut faire une assignation, elle peut me les assigner. Et quand elle m'assigne un email, pouf, là, il arrive dans mon FrontApp à moi. Donc, en gros, 70-80% des emails, c'est elle qui s'en occupe. Et ce qu'elle n'arrive pas à faire, parce que c'est une question pointue, marketing, etc., elle me l'envoie. Et on voit là, si on retourne ici sur FrontApp, on voit que ce qui m'a été assigné, là, pour le moment, il y en a trois. Voilà, parce que j'en ai déjà traité un peu ce matin. Et donc, il y a trois emails qu'elle n'a pas su faire et qui sont assignés pour moi. Et donc, ce qui est cool, c'est que si jamais bah, je réponds à ces personnes et qu'elles me renvoient un email, il arrivera à moi directement et non pas chez ma collaboratrice. Donc, il ne peut pas y avoir de croisement. Donc, ça, c'est cool, c'est que donc une fois qu'un email elle a été assigné, s'il y a à nouveau des échanges, ça reste entre la personne qui est assignée et moi. Et voilà, donc ça, c'est déjà un autre truc qui est super cool. Et un autre truc qui est aussi fantastique avec FrontApp, c'est les réponses automatiques. Je vous ai dit, la plupart des demandes qu'on va avoir, ça va être des demandes qui vont concerner toujours plus ou moins les mêmes sujets. Et donc, Émilie, elle s'est créée ce qu'on appelle des canned response. Donc, en gros, c'est des réponses automatiques qui permettent bah, d'avoir des messages qui sont pré-écrits. Par exemple, si quelqu'un demande une facture, on va pas écrire à chaque fois « Bonjour, vous pouvez trouver votre facture en allant dans tel endroit, en cliquant ici, en cliquant là ». On l'écrit une fois et à chaque fois que quelqu'un demande une facture, on renvoie ce message en automatique à la personne.
Et ça, Frontab permet de le faire. Donc, c'est un gain de temps qui est vraiment, vraiment extraordinaire pour pouvoir gérer votre flux email. Alors, le coût, il est assez, moi, je trouve modéré. C'est quelque chose qui coûte 500 euros par an environ. J'ai plus le prix exact en tête, mais on est dans ces eaux-là. Vous pourriez trouver que c'est beaucoup, mais moi, je compare ça à du gain de temps. Je compare ça à du gain de temps. C'est vraiment un outil qui permet de traiter le support email beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et de façon vraiment professionnelle. C'est-à-dire, on peut faire le tri entre ce qui est pour moi et les demandes simples. On peut faire des réponses automatiques. Et puis, il y a évidemment aussi un nombre de stats qui est hallucinant. Par exemple, vous pouvez savoir le pourcentage d'emails que vous traitez en 12 heures, en 24 heures, etc., etc. Donc, si vous voulez ensuite monitorer la performance de votre support client, vous pouvez le faire grâce à cet outil. Encore une fois, je vous invite à avoir un support client qui est performant, puisque c'est très très important pour votre communauté. Ne faites pas comme tous ces blogueurs qui ne répondent jamais aux emails. C'est désastreux par rapport à la relation que vous entretenez avec votre audience. Donc voilà, Frontap, un super outil. Alors c'est pas le seul, il y a Zendesk, etc. Mais moi, enfin voilà, pour en avoir testé quelques-uns et pour avoir échangé avec des blogueurs qui, comme moi, ont des gros flux entrant d'emails, Frontap est vraiment ressorti comme étant la solution que l'on préférait. Effectivement, si vous avez encore plus de salariés que ça, vous pouvez installer encore plus de gens sur Frontap. Il y a une quantité de choses qu'on peut faire. Je vous ai même pas parlé de la moitié de ce que peut faire Frontap, mais c'est un outil qui est absolument fantastique à partir du moment où vous commencez à avoir un gros flux email. Je pense que si vous passez plus d'une heure, 1 heure et demie par jour sur vos emails, il est grand temps de vous intéresser à une solution pour rendre ce travail beaucoup plus rapide. Et le coût d'une cinquantaine d'euros par mois sera alors très très vite amorti, puisque vous pourrez consacrer le temps de gagner à faire de l'animation commerciale, à écrire des pages de vente, à créer des nouveaux produits, à créer des nouveaux contenus, puisque c'est ça qui vous rapporte réellement de l'argent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Traffic Mania, le lien est juste en dessous. Vous recevrez une formation trafic gratuite. Vous recevrez également chaque jour des informations exclusives par email. Abonnez-vous également à la chaîne car il m'arrive de mettre des vidéos sans forcément écrire un email à chaque fois. Un grand merci et à très bientôt. Ciao!